Bonjour, je vais vous présenter un cours de décision en avenir incertain dans lequel je vais essentiellement vous parler de la théorie d'utilité qui est le modèle central dans le domaine de la décision en présence de risque. Donc ce cours s'organise autour de quatre principales parties. Donc dans une première partie, je vous présenterai une introduction qui aura pour objectif essentiel de vous donner quelques exemples qui motivent l'idée que la simple espérance mathématique n'est pas suffisante pour représenter des comportements de décision en présence de risque. Dans un second temps, je vous présenterai les fondements axiomatiques et les résultats principaux de la théorie de l'utilité. Dans une troisième partie, je vous montrerai comment interagir avec un décideur de sorte de capturer son comportement face au risque et d'éliciter les fonctions d'utilité correspondantes. Enfin, dans une dernière partie, je vous présenterai les limites d'applicabilité de la théorie de l'utilité ici.